Cinématique. J'ai commencé à faire des courses pour Slink. J'étais dans ses petits papiers. Il m'a présenté à un gars à Coney Island. Express yourself. Express yourself. Putain, quel rouge vif de la voiture. Ah, il y a peut-être quelqu'un dedans. C'est lui. On a passé la ville au crible et on a déniché cette perle rare. Ah, il me plaît pas. Pourquoi? Trop jeune. C'est un bon. Je t'ai demandé un chauffeur et toi tu me ramènes une pucelle. Qu'est-ce qui te prend? Mais je sais me démerder. Ferme ta gueule, tu me rends dingue! Tu sais quoi? La pucelle a un rendez-vous ailleurs. Adios, amigo. Hey, tu vas pas partir comme ça! Je t'offre un putain de boulot! Je croyais que j'étais trop jeune. J'ai jamais dit ça. Qui a dit ça? Slink? Alors, qui c'est dans le coffre? Mon ancien chauffeur. Ah, d'accord, ouais. C'est une blague. T'es un marrant, toi. Arme 44H disponible. Oh putain, il y a des différentes armes. Alors c'est peut-être bien, mais comme j'y connais rien. Et je peux répondre à ce truc? Ou c'est juste pour m'afficher? Ah putain, j'ai plein de nouvelles missions principales. Alors voyons un peu ça. On va dézoomer. Hein. Alors, ici. La récup. T'as une nouvelle occasion de frimer en bagnole, gamin. Un de mes associés possède la chaîne de Phoenix Auto Body Shop. Il veut que je lui fournisse trois caisses au plus vite. L'une dans les Projects, une dans le Queens et la dernière dans Warfare Park. Il plaisante pas avec la sécurité. Va falloir que tu chopes une dépanneuse ah ouais. Au garage de Jamaica. Carrément. T'as intérêt à assurer, TK. Récupère la dépanneuse, pique les caisses et ramène-les. Ne les détruit pas, évidemment. Ça peut être marrant, ça. Donc pour y aller, il faut que je sorte et que j'aille à gauche. Ok, ben on va faire ça. Allez. Utilise la dépanneuse. Ah putain, il y a un chrono. C'est chiant les missions à chrono, tu peux pas faire les trucs comme tu veux. Allez, monte. Bon alors. Pour remorquer un véhicule, place-moi doucement devant lui. Pour détacher le véhicule que tu remorques, c'est R3. Maintiens enfoncé L2 et R3 pour fier en arrière, ça je sais. Ok, alors les trois véhicules. Moi je suis le point blanc, donc faut déjà que je fasse demi-tour. Ok. Quand je fais rond, c'est pas retour en arrière, c'est légende. Je me fais avoir à chaque fois. Donc visiblement, ça se fait tout seul quand je suis bien calé devant une voiture. Il la remorque. Faut juste que je me souvienne que c'est R3 pour relâcher. Ça devrait pas être un problème. Donc il y a un chrono. On va essayer de pas attirer l'attention des flics sur moi parce que sinon ça va être un enfer. Ça va quasiment être infaisable en fait, je pense. Vu que je dois garder la dépanneuse de bout en bout. Donc on va faire gaffe. Et ça a l'air d'être une mission assez longue. Attends, mais je peux pas passer là. J'ai pas vu le chemin. Si, c'est ça. C'est une ruelle. Ouais, je peux allumer le gyro. En même temps, je pouvais aussi avec la voiture de police hein, dans les autres drivers. Voilà. Ok, alors. On sent bien qu'elle est lourde, hein, la dépanneuse. C'est bon? Mais quoi? Mais pourquoi elle s'est détachée? Putain. Ah non, commence pas. Commence pas le jeu! Mais pourquoi? Non mais... On est d'accord, il faut juste que je recule et elle s'attache! Putain, tu te fous de ma gueule. Putain!
Ah non mais le jeu ne m'aime pas hein. Bon, faut vraiment que je prenne le coup. Je peux tirer sur les gens. Mais par contre là, je suis mal placé au possible pour faire ça. Ok, alors. On essaye de rester concentré. L'état de la voiture. J'imagine qu'il faut pas que ça descende trop bas parce que bon, bah c'est logique. Heureusement que j'ai quand même une petite marge d'erreur. Est-ce qu'elle se détache facilement comme dans GTA? Heureusement, elle a l'air de tenir pas trop mal. Donc ça va. Je suis encore poursuivi là. Parce que j'ai vu la flèche rouge en bas. Ok. Attends, faut que je regarde le chemin. C'est... Ouais, c'est directement là. Ok. Ouais, par contre, t'étais vraiment mal placé toi parce que t'étais devant moi. Bon, elle a l'air de bien rester accrochée déjà, c'est un avantage. Par contre, lui, il est toujours là. Il va falloir que je m'en débarrasse. Hein. Vas-y. Ah, putain. Mais t'es en train de détruire ta propre bagnole, là, t'es con. Bon, je crois que j'ai pas trop le temps de jouer à ça, mais en même temps, je vais pas pouvoir la déposer pendant qu'il est là, si. Parce que le mec, il repart avec et c'est plié, hein. Putain! Oh là là, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Ça y est? Ok. Il est mort. Enfin, le conducteur, du moins. Pas son passager, mais bon. R3. Ok, voiture suivante. Encore 2-8 minutes. Ça va être assez chaud, hein. J'avais plus que 38 points de vie en même temps. T'as vu comment j'ai galéré là au début? J'arrivais pas à prendre la voiture, tout simplement. Alors, droite, je traverse le parc. Du coup, ouais, ça va être tendu l'histoire. Hein. Je pensais que ça se ferait plus facilement que ça, mais non. Alors, je sais pas si j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas ou quoi sans m'en rendre compte, mais la voiture, elle s'accrochait pas. Hein. Ok, on y va doucement, voilà. Voilà, pour le coup, je suis au plus vite. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un piéton devant et que bah il fallait pas. Il fallait pas qu'il soit devant. C'est triste pour lui. Ok. Par contre, elle a l'air d'être en hauteur la voiture. Puisque. Non, peut-être pas. Non, là, ça indique le sens, ça indique pas la hauteur, la flèche. Hein. Attends, on va faire demi-tour parce que c'est sur la route d'à côté. Allez. Oh là là. Ok, on traverse le chemin. Elle est quand même pas le long du chemin de fer, si. J'ai un doute, hein, quand même. Beignet, qui veut des beignets? Non, elle est là. Enfin, je peux l'atteindre d'ici au moins. Attends, elle est où là? Elle est dans l'enceinte du truc là. Donc il faut que je passe par là. Ok. Pourquoi quand je klaxonne, vous bougez pas? Mais accroche-toi! Non, sans déconner, accroche-toi. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Parce que non, mais je vais mourir. Putain, faut être vraiment pile poil quoi. C'est ultra serré. Hein. Je vais mourir. Je vais mourir et ça va me saouler. Je peux pas le toucher quand il est derrière lui. Les trois, pourquoi ils sont à côté de l'orchestre? Il y en a peut-être au moins un qui doit pas y être, non? Merde, ça craint. Oh, putain. C'est tellement instable! Bon. Je vois plus la flèche du poursuivant. Si, je la vois encore, en fait. Il est toujours là. Il est juste un peu plus loin. Par contre, ouais, faut que je tourne parce que je suis pas dans la bonne direction, là. Bon, état de la voiture, c'est correct. Ma santé, c'est pas terrible.
Mais dégage, putain. Regarde ton rétro, tu vois que j'arrive. Oh là là, oh là là. Allez, mais vise-le, putain. Oh là là, tu sers à rien, mec, tu sers à rien du tout. Mais arrête de tirer, fils de pulpe. Je me contiens, hein, parce que j'ai envie de dire un autre mot. Elle sert à quoi ta visée automatique de merde? Elle sert à quoi là? Tu veux bien m'expliquer? C'est quoi ce combat d'handicapé? Tu vas te faire mettre. Va te faire mettre. Et là s'il me dit de semer le poursuivant, ça va pas le faire. Hein. J'ai plus que 26 points de vie et ma dépanneuse est amochée comme il se doit. Oh mais ta mère, putain. Ah, elle est en train de fumer ma dépanneuse et il reste un. Je sens que je vais pas y arriver. Je suis pas extrêmement optimiste. Oh là là, mais elle est tous mangée du sel, je sais pas. J'en produis suffisamment. Quoi, j'ai pas pété un pneu là? T'es pas sérieux? Non, c'est mon pare-choc qui vrille par terre. Ok, alors. C'est pas hyper loin. Enfin, il faut arriver à la choper quoi. Et à revenir en un seul morceau. Et je suis sûr qu'il va encore avoir son proprio. C'est pas lui là? Il devrait peut-être descendre et les tuer en fait. Allez, chope là. Allez, on y croit. Le problème c'est qu'ils sont trop nombreux. Si j'avais essayé à pied, n'ayant aucun skill à pied, de toute façon, ça aurait été pire, je pense. Putain, 17 points de vie. Ma dépanneuse, elle va tellement crever. Je suis à côté, allez, 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 vas-y. Pas maintenant, pas là où je suis presque arrivé. Sans déconner. Allez, avance, putain, trou du cul. Putain. Putain. Va bien te faire mettre. Merci à tous d'avoir suivi ce live, je reprendrai ce jeu une autre fois. Bonne nuit à tous. One eternity later. Alors la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai quitté en m'explosant le poignet. Je me suis fait méga mal pour de vrai, hein. C'est un truc de fou. J'espère que cette fois-ci ça va être mieux. Bon, utilise la dépanneuse pour voler les véhicules. Donc là, voilà, on arrive à la mission qui m'avait bien fait chier. Tu as abandonné la dépanneuse, faudrait déjà que je trouve où elle est, connard. Alors, je crois qu'à chaque voiture, il faut que j'aille tuer les mecs. Tiens, un mini poteau de merde qui m'empêche de passer. Comme c'est amusant. Ok, elle a les phares allumés. Donc c'est celle d'à côté qui va venir avec les mecs. Donc, ce que je fais, je descends, je les descends. Et ensuite, je prends la bagnole. Ce sera peut-être plus safe. Tu peux le tuer à un moment ou pas? En fait eux aussi ils peuvent tirer que devant, non? Genre si je me mets là. Ah non, non, pas d'accord, d'accord, c'était une mauvaise idée. Ok, il est mort. Je vais peut-être essayer de faire ça. Je sais pas si ça me perd pas trop de temps, mais bon. Donc, on recule. R3. Non, elle s'accroche toute seule. Ok, ramène la voiture à Phoenix Auto. Donc. Et je suis quand même poursuivi.
Non, c'est juste le logo de la voiture qui restait, mais ils sont plus dedans. Ok. C'est peut-être mieux que je fasse comme ça, vu que c'était les mecs qui m'avaient bien fait chier. Si les phares de leur bagnole sont allumés à chaque fois, ça va me permettre de les identifier. Allez. On dit qu'on fait cette mission en une seule fois. Ça m'arrangerait. Et toutes les missions du jeu durent pas 10 minutes, sans déconner, rassurez-moi. Ah, je l'ai déjà fait le jeu, mais je me souviens plus. Hein. Je l'ai fait à la sortie. Hein. Donc ça remonte quand même un peu. Hein. Donc, la map. Tout droit, à gauche, ok, pas compliqué. Par contre, très sensible la direction, alors on va y aller mollo. Excusez-moi. Putain, mais le mec, il est devant moi, je le touche à peine, c'est une quille. J'étais à 20 bornes. Bon, en vrai, c'est peut-être comme ça en vrai, mais j'ai pas envie de le savoir. Ah, putain. État de la voiture. Oui, oui, bah ça va. Elle a touché un petit poteau. Un peu de carrosserie, un marteau à... Comment ça s'appelle ce qu'ils ont les carrossiers? Un marteau à percussion? Non, un marteau... Ouais, bref, le truc des carrossiers, et puis c'est bon, on est venu connu. Ok. R3 pour détacher la voiture. C'est bon. Voiture suivante. Encore deux. Ouais. Beignets. Qui veut des beignets? Ok, c'est pas cette voiture-là. Je crois qu'elle est sur le côté. Ah ouais, elle est là, phare allumé. Putain, les phares allumés, c'est bien en fait. Ok, on sort ton arme. Vise et tue. Je me fais tirer dessus d'ailleurs, non? Aïe, attends, mais j'ai mal. Mais attends, mais qui me tire dessus? Oh putain, non. Je sens venir l'échec. Mais je l'ai pas abandonné, tête de cul, elle est là-bas, la dépanneuse. C'est bon là? Lui il est mort. Qui me tire dessus putain? C'était lui? 24 points de vie. Ah non mais je suis mal. Ah là d'un coup ça y est c'est fini. Je ne crois plus en moi. C'est terminé. Mais monte espèce de trou du cul. Putain. Recule. Vas-y. Fais pas chier. Accroche-toi. Allez. Nique ta race. Mais putain. Merci. Il me rendra dingue jusqu'au bout ce jeu. Bon, 24 points de vie. Je pense que c'est... Oh, putain. Ça veut dire que là je sais pas quoi faire. Voilà. Attends. Le point jaune il est encore là. J'ai pas pris la bonne bagnole. J'ai pas fait ça. J'ai fait ça? J'ai réussi à faire ça? Non. Je me suis acharné à trimballer une bagnole, c'est pas la bonne? Oh, putain de... Je me déteste! Récupère là cette bagnole de merde! Putain, heureusement que j'en suis rendu compte avant d'arriver au bout. Putain, je le crois pas. Oh mais quel boulet. Mais putain, j'ai pris la mauvaise bagnole quoi. Sans déconner. Putain. Bon alors, droite, oui. Oh la vache. Ah, ça, ah là vous pouvez spammer les emojis sur le chat. Hein. Je mérite la pendaison. Et pas la crémaillère cette fois. Allez, ramène cette caisse, il va rester moins de 4 minutes parce que j'ai perdu du temps. Je vais pas avoir le temps de tirer sur les mecs. Je vais pas avoir le temps. Enfin, je vais pas avoir la vie ni le temps en fait. Aucun des deux. Dégage. Mais quoi? Mais ce flash blanc, il me stresse. 23 PV, c'est bien. Perds un peu plus de vie, t'en as trop. Comment tu régènes de la vie là-dedans? Dégage. Comment tu régènes de la vie, putain? TK, il prend quoi? Les beignets, qui veut des beignets, il peut en manger un et il régène? Ou ça aussi, c'est trop une inspiration GTA qui va manger du Clacking Bell?
Somebody help me. Ok. Allez, la dernière. Et c'est là que tout va foirer exactement comme au dernier stream. Si j'avais plus de vie, je serais un peu plus confiant. Là, 23, je le sens pas. Hein. Le truc, c'est que s'ils me suivent en voiture, j'en sais rien. Je les tue avant ou pas? Ouais, mais si je les tue... Oh là là, j'en sais rien. Gauche. D'accord, c'est complètement la droite. Tout va très très bien dans ma vie. Voilà, 21 points de vie. C'est parfait. Continue comme ça, mec. Tu es génial. Ce que tu fais est fabuleux. Je vais perdre maintenant, en fait. Je vais descendre, je vais tuer les mecs, ils vont me tuer. Parce que tout à l'heure, ils étaient 3, alors que je les voyais pas tous, déjà. Ok, la voiture est là. C'est celle-ci et pas une autre. Je répète, c'est celle-ci et pas une autre. Allez, je tente. Là, je joue ma vie. Hein. C'est parti. Putain, ma vie. Mais il s'est barré ou quoi? Il va revenir. Quoi? Bon, allez, perds pas de temps. J'ai pas tout compris, perds pas de temps. Attrape cette caisse, putain. Attrape-la. Me fais pas chier! Merci! Ok, 1 minute 44 pour ramener cette bagnole. 15 points de vie. Je suis moyennement confiant quand même, je vous avoue. Je vous avoue franchement, je suis pas très sûr. Je suis pas très confiant. C'est pas trop mal parti, mais je suis pas très sûr de moi. 14 points de vie. Voilà, on est bien. Allez, 1 minute 16. Je ne vois pas de voiture. Je sais pas trop pourquoi elle s'est barrée, mais j'ai peur qu'elle ressurgisse d'un coup. Allez, on est bon. Allez, on l'a. Allez, déconne pas le jeu. Déconne pas. Mission réussie. Haut la main. Putain, attends. Et le chrono, il continue encore pour faire ça, là? Ah bah, putain. Je suis dans le gars dans la cabine. Ouais. Et j'ai eu peur. Je vous le cache pas. À une certaine mission, tu en bavais à mort. Merci. Ah pardon, je me suis trompé de doigt, c'est con. Je voulais dire merci, hein, bien sûr.